Haïti décide pas participer dans une rencontre qui a fait dans New York sur question choléra, Premier ministre Jacques de La Fontaine prononcé sous raison décision ça. Commission éducation Sénat rencontré jeudi 1er mars là Premier ministre Jacques de La Fontaine et accompagné ministre éducation nationale là Agenor Kader, ministre financement Jean-Daniel Patrick Salomon, à coordonnateur MRH là Josué Pierre-Louis. Problème professeur qui dans sa classe qui peut nommer et professeur qui nommé qui peut toucher, t'es dans mi-temps discussion. Amis téléspectateurs, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le journal Mi-temps Journée sur Télévision Nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là, nous avons recevoir un collaborateur nous, William Polidor, pour conditions météorologiques Journée. Nous invitons à suivre. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble après-midi pour prévision météorologique là qui s'est toujours en courtoisie UHM de concert avec OFNAC et puis Télévision Nationale d'Haïti. Nous déjà souhaité avec chaque monde un bon week-end. On a vu comment la situation est sous région. Nous avons dit la commencé à humidifier par rapport avec, j'ai noté dire, Talvec la Touveli au nord-est de Porto Rico et Talvec ça a vraiment influencé, prolongement a influencé région sud là pour Jodia et l'instant ça a recommandé sensibilité sous pays d'Haïti pour Jodia. Nous avons eu un temps qui ensoleillé en début de journée et temps ça vraiment c'est soleil avec vent qui a soufflé mais c'est un vent qui a très léger. Mais j'ai noté sur image satellite là a commencé à gagner quelques développements nuages sous toute région sud là et nuages ça il a vraiment persisté au cours de journée et en fin d'après-midi pour provoquer quelques activités rapides et département cap concerné pour activités rapides pour aujourd'hui c'est département Grand'Anse sud sud-est Nip et l'ouest en début de soirée et au cours de la nuit pour aujourd'hui pour capitale avec zone qui environne son capitale cap joue de beau temps en journée et a bien soleil et a bon vent cap soufflé cap très modéré mais a bien activité la pluie en début de soirée et au cours de nuit et quartier cap plus concerné par la pluie ça c'est vraiment au nord de capitale pays d'Haïti pour aujourd'hui et température nous a monté à 32 degrés Celsius ça fait un peu chaud sous pays a pour la mer avec aujourd'hui on a bien une mer qui agité sous côte nord pays d'Haïti. Mais Golfe de la Gonâve et région sud, capitaine est capable de naviguer parce que pas gagné trop soucis la mer Aliap peut agiter sous côte sud et Golfe de la Gonâve mais faut prendre petite précaution dans côte nord pays d'Haïti et soleil a couché après-midi à 5h57 minutes. C'est tout ça nous gagné pour situation météorologique pour après-midi. Nous disons merci pour fidélité. N'a pas croisé à soir pour une autre page météorologique. Merci Wilner Polidor. L'autre information dans le journal ça. Premier ministre Jacques de La Fontaine prononcé jeudi 1er mars là sous conjoncture politique là. Chef gouvernement qui t'a réagi sous communiqué minujus là dans cadre d'une rencontre avec la presse fait qu'on est c'est une ingérence bon côté représentant minujus là qui prend position dans affaires politiques pays là. Nous invitons à suivre un extrait dans déclaration dans micro Saint-Croix Paqui. En ce qui concerne visite représentation haïtienne à l'étranger. Effectivement, tu as une réunion qui t'a gagné pour faire en ce qui concerne le choléra. Kounia, nous connaissons que Haïti est positionné en ce qui concerne l'intervention des ONG sur le terrain. Haïti, je pense que Haïtien doit être fier, je veux dire, pour qu'il y ait une équipe d'hommes et de femmes ça, dans la tête. Parce que Haïti n'est pas ni un savant, Haïti encore moins son moulin, mais son pays souverain Haïti. Choléra, ce n'est pas un cadeau comme choléra. Son tête. Li. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons introduit choléra dans le pays. De 2010 à nos jours, rien n'a été fait. Mais il y a bien pour vous faire dans la discipline. Tu as un communiqué de presse et je pense que le public Haïti a une position sous la déclaration que tu as faite.
président Jovenel Moïse depuis la campagne. Il était dit que faut nous retirer l'État dans la rue pour nous mettre au niveau des institutions. Ça va l'abtourer pour institutions internationales. Parce que, je vous dis ça tout à l'heure, Haïti c'est pour ça avant nous. Haïti pas un moulin. Un organisme international pas qu'à penser le venir en Haïti. Et puis, pour le faire des déclarations partisanes. Parce que ça, c'est un dossier qui est hautement, éminemment politique. Dis-moi si une organisation haïtienne qui est aux États-Unis et puis dit pour faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement américain. Est-ce que une organisation haïtienne qui est en France lui fait n'importe quelle déclaration face au gouvernement français? Il n'est pas capable, non? Eh bien, dans le pays de Saline avec Pétion Christophe, non? Ça n'a pas fait tout. Il y a des moyens diplomatiques pour une série de bas effets. Et comme nous dit, dans notre de presse que le ministère des Affaires étrangères bail, c'est un moment très sensible. Côté que nous avons des chefs d'État et de gouvernement qui sont en Haïti. Côté que Haïti finit signer, n'est-ce pas vrai, accord avec Fonds monétaire international. Et puis, comme par hasard, on note que ça a tombé. Et nous connaissons que dossier ça qui s'est caché derrière. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pouvons pas fourrer bouche nous dans les étrangers comme ça. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine expliqué administration Moïse et gouvernement Lafontaine à travail pour porter réforme dans l'administration de l'État, mettre loi organique pour fonctionnement chaque ministère. De l'autre côté, Premier ministre l'en fait connaître un effort qui a continué à faire pour combattre la corruption dans l'administration publique. Là. Suivez un extrait. Autrefois, le que l'État haïtien gagne pour le fonds dépense, dans tant qu'on passe par appel d'offres, ou passe par, n'est-ce pas vrai, études de marché, etc., il vient pour un paquet de temps. N'est-ce pas vrai? Tandis que, qui ça vient passer au niveau de l'économie vraiment? C'est que chaque jour, il y a une recette qui a fait dans l'État. Mais chaque jour, il y a une dépense qui a fait tout. Eh bien, étant donné que tout processus ça est allégé parce que le contrat est passé en régie ces jours-ci, donc, dépenses sont faites plus vite. Mais oui, c'est sûr, il prend un petit temps pour y avoir fait. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas vrai, nous avons recette qui a fait qu'on y a. Parce que autrefois, par exemple, il faut attendre jusqu'à mars, avril, que l'État ait commencé à engager dans la dépense. Mais qu'on y a étant donné que l'État allait plus vite, donc nous venons dépenser beaucoup plus vite au début de l'exercice fiscal. Mais d'ici la fin, exercice fiscal là, n'a pas venu gagner en stabilisation. Lutte contre la corruption. Nous connaissons que par exemple, route Kay Jérémy, son route de 300 km que lié, de 100 km que lié, en route de 100 km. L'écoutez l'État haïtien, 300 millions de dollars américains, oui. Ça fait 3 millions de dollars par kilomètre de route. Ma parle d'un route qui gagne 7 mètres de largeur, qui gagne 7 cm d'asphalte d'épaisseur, avec bien sûr les travaux d'œuvre qui gagnent, petit pont d'eau, etc., qui gagnent pour fête. Eh bien, Kounia. Jean-Président Jovenel toujours dit, nous baillons boucané avant que nous gagnions bouilli. Nous en mesure qu'on y a pour nous gagner propre pour nous pour construction de route. Nous, avec le budget que tout le monde a critiqué, que vous avez le budget criminel, nous gagnons équipement qu'on y a pour tous 10 départements géographiques pays. Gon bagay ki rele chèk zombi. Fòm di nou gen 2-3 moun yo mari deja. Mais nou pa prezante moun zè ba la presse parce que tout temps que la justice pou ko di que moun sa yo coupable, nou pa capable, n'est-ce pas vrai, présenter
ça bah la presse. Mais au niveau du ministère de l'Éducation nationale, par exemple, nous arrivons à Kembe près de 75 millions de gourdes, c'est-à-dire un peu plus que 1 million de dollars américains en chèque zombie. Dans un conseil ministre 28 février, le gouvernement décide toute transaction commerciale qu'a faite sur le territoire national là doit être faite dans la monnaie nationale là qui c'est good. Il y a un arrêté présidentiel déjà sorti dans le journal officiel PIA Le Moniteur, non sans ça. L'autre information dans le journal ça, commission éducation Sénat rencontré jeudi 1er mars là, Premier ministre Jacques Guilard Fontan qui était accompagné ministre éducation nationale là à Junior Cadet, ministre finance là Jude Alix Patrick Salomon à coordonnateur MRH là Josué Pierre lui, professeur qui dans salle classe qui poko nommé et puis professeur qui nommé qui poko touché, té nan mitan discussion yo. Autorité yo entendu yo pour organiser plusieurs séances travail qui a commencé demain vendredi, jeudi vendredi à 2 mars là, dans l'idée pour résoudre problème ça pour pita semaine prochaine. Président commission en sénateur Denis Cadet lancé appel by professeur élève pour reprendre chemin classe yo. Nous invite au suivre un extrait dans micro Fédéral confident avec Moïse Wilbridge. Nous discuter en pile sous problème là. Et nous entendons nous pour qu'à partir de demain matin, il y a deux séances de travail qui fait avec Premier ministre, ministre éducation, ministre finance, représentant OMRH là qui est à côté de là, pour nous définir ensemble un plan d'action qui permettre que à partir de mercredi nous communiquer de date pour résoudre ensemble de problèmes qui gagnent dans ce secteur là. Dans ce sens, nous inviter enseignants Ponekyo, enseignants Sugoyo, enseignants capitaine arriérés de salaire yo, enseignants capitaine lettre de nomination yo, pour leur permettre que l'école recommence le travail. Recommence le travail parce que volonté pour nous résoudre le problème dans l'île. Nous demandons pour yo reprendre la créo, rentrer dans la salle de classe, yo, permettre que. Élèves, professeurs pour retourner dans sa classe. Manifestation crasée brisée pour résoudre problème là, d'après chef gouvernement. Série séance travail a continué dans week-end là, arrivé lundi pour résoudre définitivement problème ça, d'après chef gouvernement, qui était dans le micro, Fedna Confident avec Moïse Wilbridge. Nous, même au niveau de l'exécutif, nous prenons décision pour nous décréter la permanence. C'est séance de travail a commencé demain à 11h dans la primature. Nous libérons de tout l'autre engagement que nous te prenons et la continuer jusqu'à 1h avancée lundi et jusqu'à 1h avancée vendredi. Et bien sûr, il y a des travaux qui continuent pendant le week-end. Dans tout. Et lundi, nous prenons toute journée lundi en net pour nous cas une fois pour toutes avec les cadres du ministère de l'Éducation nationale, avec cadre ministère finance, avec OMRH, pour nous traiter tout dossier en ce qui concerne les enseignants. Même tout profiter pour nous dire, traitement dossier ça, c'est pour en bas facile. Parce que nous avons des gens, par exemple, qui sont des enseignants et qui ont faux papiers. Qui pas même des baccalauréats.
non yo pas confirmé au niveau système éducation nationale côté nous que même papier philo yo pa gen. Donc n'a pas comprendre que son travail complexe que nous gagnons pour nous faire. Entre-temps, m'a demandé timoun yo pour yo capable rentrer dans salle de classe yo. Parce que futur c'est pas dans la rue futur. Futur c'est pas dans voyer roche futur ni dans boule caoutchouc. Ça va faire rien pour payer. Et bac li fait nous faire pendant ces dernières années. Futur c'est dans salle de classe que futur yo. Mande parents yo tout pour parents yo encadrer ti moun yo. Parce que quand gen deux fois parents li pa gen autorité pour parler à ti moun yo. Faut que nous prenions responsabilité nous. Parce que moi même si me pas prendre responsabilité avec petite moi ça ou jodi an yo pas tap ça. Donc une fois de plus moi remercier les honorables sénateurs et après n'est-ce pas vrai séance de travail ça nous-mêmes n'a gain pour faire au niveau de l'exécutif à partir de demain n'a à disposition yo n'a prête une invitation yo pour nous qu'avin présenter à assemblée résultat travaux ça. Ministre économie et finance là Judalix Patrick Salomon fait connaître situation économie pays a sous contrôle. Ministre Salomon dit gouvernement a prend toute décision pour stabiliser économie. Ministre Salomon dans micro fait en confident avec Moïse Witch. La situation est sous contrôle. On est en mode gestion de finances publiques. Et même Takadzou, parce que de temps en temps, il y a des émotions sur des données. Vous comprenez? Ou l'autre jour, il y a des émotions sur le gaz qui va gagner. Après ça, nous avons gaz. Il n'y a pas de déficit budgétaire. Le budget n'est pas encore fini. Il y a un découvert budgétaire. Mais le découvert budgétaire, il couvre comment? Il y a des émissions de bons. Parce que déficit, hein? Ou découvert budgétaire, là, le bon problème, c'est quand ce découvert est utilisé pour dépenser des bagailles gagotes. Donc, c'est un découvert qui a en majorité permis de faire d'Akadzo acquisition d'équipement qui a augmenté la production. Donc, là, nous avons un découvert budgétaire, on doit y mettre des bons pour le découvert, on va le baisser automatiquement par un jeu d'écriture. Donc, pas de panique, donc il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique. Donc, nous n'avons pas besoin de parler de déficit budgétaire aujourd'hui. Dis pourquoi il y a un déficit. Le budget, il y a un déficit. C'est le budget bouclé. Parce qu'il y a des découverts conjoncturels, c'est-à-dire. D'ailleurs, même les revenus, yo conjoncturel, il y a des revenus en piro, il y a des revenus en piba, tout comme il y a des mois dépenses en piro, mois de décembre, mois de carnaval, dépenses augmentées et revenus n'ont pas augmenté, mais il y a des mois revenus en piro, dépenses en piba. Donc, il y a des fluctuations au niveau des revenus et des dépenses. Plus long, c'est sur une année. Donc, il n'y a pas de panique. On va parler pour un monde qui va économiser, on va parler de découvert. Non, c'est parce que déficit, on constate, c'est leur fait un budget net. Le dossier dans le journal sa police nationale d'Haïti démarre jeudi 1er mars là, il y a une formation sur blanchiment d'argent à corruption pour policiers yo. Formation ça a déroulé dans l'Académie nationale police là dirait deux jours. Objectif formation ça, c'est permettre participants yo connaît qui travail qui déjà fait ak sa ka fait dans cadre bataille contre blanchiment d'argent à corruption dans pays a d'après porte-parole PNH là Franz Lerbourg. En même temps, formation en pral permettre policiers yo connaît qui mission différents institutions tant que UCREF, ULCC, dans la bataille contre blanchiment l'argent à corruption. Nous invitons à suivre un extrait. Quel est l'état des lieux dans la lutte contre ces fléaux? Chez nous, l'ULCC, l'UCREF, la Cour des comptes, le Parlement, la BAF, ont-ils été jusque-là à la hauteur de leur mission? Voilà l'exercice auquel se livreront pendant ces deux jours nos panélistes, à l'heure où l'affaire Petrobras au Brésil, au Débrèche en République Dominicaine, Jacob Zuma en Afrique du Sud, font écho dans la presse. Nous avons pour nous parler de ces choses-là et nous éclairer à comprendre aujourd'hui trois spécialistes. Nous avons d'abord Maître Sabine Boucher, avocate, spécialiste en sciences de l'éducation,
Madame Fabiola Saint-Victor, licenciée en sciences comptables, 13 ans d'expérience dans la lutte contre le blanchiment à travers le système financier. Elle a participé à l'élaboration de plusieurs programmes de lutte contre le blanchiment et de formation de cadres dans ce secteur. Elle continue à donner son appui et son expertise dans le domaine à plusieurs institutions de la place désireuses d'établir des politiques et procédures de conformité dans la lutte contre les crimes financiers. Enfin, nous avons Maître Laurent Terralien, criminologue, spécialiste en administration publique, membre de l'UCREF et consultant en développement organisationnel. Toujours sous même dossier, directeur général PNH là, Michel-Ange Gédéon, pour information sous blanchiment l'argent à corruption, pour permettre PNH comprendre une série de dossiers qui allait dans le sens formation ça. Chef PNH là fait connaître, c'est une façon tout pour quelques policiers capables bien comprendre pour qui ça, les recommandements PNH là prennent une sanction contre eux dans le sens ça. Il y a un extrait dans le micro TNH. Question corruption, blanchiment des capitaux. C'est une grosse préoccupation tant en Haïti qu'à l'étranger. Donc nous-mêmes, la police qui a appelé justement à participer, contribuer à mettre de l'ordre dans la bataille, ça, nous-mêmes, il faut que nous mettions à jour tout. Parce que je dis là, aucun monde pas de prendre comme peut-être si vous ne connaissez pas qui ça blanchiment, qui ça corruption. Donc nous commençons la caille, nous. Et sensibiliser le personnel, nous, sensibiliser le cadre, nous. Pour comprendre que c'est du sérieux, parce que ce n'est pas normal pour, à chaque fois qu'il y a un rapport de Transparency International à faire sortir, et puis on regarde la position du pays, nous, et côté que nous, généralement parmi les pays qui sont plus corrompus. Donc je pense que c'est de bon augure à ce que la PNH lui-même de sensibiliser les membres par rapport à fléau ça. Et que lorsque le moment arrive, nous-mêmes, pour nous capables de sanctionner. Pour nous sanctionner jusqu'à la dernière rigueur et qu'aucun n'est pas pour compléter, parce que nous ne connaissons pas ça balaye. Et nous-mêmes, nous avons constaté depuis quelques temps, gagner des chiffres que PNH a pas avancé sur des chèques, dites chèques zombies, que nous-mêmes nous récupérons. Nous transférons encore au niveau du ministère des Finances par moins de 19 millions de gouttes. Gagner l'inspection générale qui lui-même tout impliqué dans la bataille, ça, il retourne dans la direction générale pas moins de 6 millions de gouttes, rien que hier. Donc c'est pour montrer que nous-mêmes, dans le niveau PNH, nous voulons bailler le temps et corriger ça qui a été corrigé. Mais une question souvent, nous avons toujours à poser, pour qu'ils aient saisi autant de chèques et puis tout, nous pas gagné arrestation qui fait. Oui, je m'ai informé, nous avons gagné interpellation qui fait. Nous avons gagné pas moins de 2 membres de l'institution qui a arrêté et qui est couru dans le niveau pénitentiaire national. Enquête qui a continué. Et gagner tout qui est en cavale que avec l'Interpol, nous allons nous examiner et mandat d'ailleurs pour nous capables d'interpeller. Directeur général entreprise publique pour promotion logement social, EPPLS, Yvon Busseret, dans tête d'une délégation qui gagne la donne, agent office assurance travail maternité au Fatma, avec agent office national assurance vieillesse ONA, visité mercredi 28 février avec plusieurs parents joueuses football sélection féminin U20. Visite ça inscrit dans le cadre de démarche pour aider parents mesdames Sayo joindre accompagnement social. Jean-président République la Jovenel Moïse te promet ça. Le reportage Falan Delphin a présenté nous. Série visite sa yo qui commençait depuis semaine passée a fait un objectif pour permettre EPPLS construire caille pour parents 30 joueuses équipe féminin U20 aider yo joindre assurance santé dans au Fatma et puis participer dans programme on a femme nan pour joindre prêt pour yo ka faire business. Responsable EPPLS là, Yvon Busseret dans intervention, montrer volonté gouvernement gagner pour améliorer conditions la vie parents joueuses sa yo qui permettent à Haïti joindre ticket pour la participer dans Coupe du monde là. Son décision qui était bien méritée sa président prend vraiment pour construire caille pour parents toutes joueuses sa yo là. Depuis 2 semaines là nous commencé équipe y a travail là pour nous prendre toutes données yo et bien pour nous mais ouais qui moun parents qui gagne terre qui est pas gagne terre. Qui est-ce qui gagne caille, qui est-ce qui gagne caille, si gagne caille, qui ça caille la mérité, ça pas gagne, qui ça vous fait. Et majorité constatation on fait nous ouais, yo que pas gagne caille, yo pas gagne terre, et bien qu'on a nous gagne toutes données là maintenant nous va commencer travail là pour nous soumettre rapport à premier ministre là, à président, à ministre affaires sociales là, et bien là ça pour nous commencer mettre en exécution, c'est-à-dire que construire caille pour permettre tout pour ça gagne caille. Normalement, quand il descend, quand il peut vivre tant que monde, il y a une maison qui a respecté toutes normes
parasismique anticyclonique. Plusieurs parents pas de cacher satisfaction et pour accompagnement ça yo dit qui prend le servir pour améliorer conditions à vivre là. On compte en pile décision ça président fait envers Jésus parce que moi c'est la bon gros souvenir pour Jésus surtout pour petite femme dans lui-même. La beau bon souvenir pour lui. Content président Jovenel. Moi content pile. Moi aimer ça. Moi cadrer nous et si chaque monde qui t'est monté sous pouvoir, yo t'est encadré monde, yo jeune jodi a là, même gentil moun yo fait tig fi yo font belle bagaille. Et bien ti garçon yo tout, yo capable faire une belle victoire tout. Moi content ça président républicain lui n'a réalisé sous pays dans pays là parce que grand pile président passé pas fait lui. Donc gien Jean Philogène la base qui était dans groupe du monde à sélection 1, c'était cousin moi. Donc il est allé les monsieur Vini, pas grand que c'est réglé. Donc président Jovenel Moïse, un gros applaudissement pour Jovenel Moïse. N'a pas rappelé président République la Jovenel Moïse t'a fait promesse dans localité Grand Pré dans Milo département Nord pour accompagner par un jeune fils ayo qui t'est qualifié face à pays Canada dans match éliminatoire Coupe du monde dans mois janvier passé. Actualité sportive la football Valencia FICA c'est pour aller dans choc 3e journée championnat national première division cap démarrer demain samedi à. Et puis à l'étranger Barcelone fait match nul un goal dans chaque camp avec Las Palmas dans cadre 26e journée championnat d'Espagne. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci à tout le monde qui t'a suivi journal ça. Nous invitons à rester branché Télévision Nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bonsoir tout le monde.